Je suis peut-être un petit peu plus déçu ou choqué par la façon dont on nous parle. Et là, je parle à la fois des politiques et je parle aussi des scientifiques. Je crois que les Français sont drôlement gentils depuis un bon moment, depuis pratiquement une année. Ils font tout ce qu'on leur demande, ils font tous les efforts qu'ils peuvent. Et quand j'entends, excusez-moi de dire ça, mais hier, une information qui venait, je crois, de l'Académie de médecine proposant aux gens qui sont dans un métro à 7 heures du matin de ne pas parler, parce que ça risque de faire des postillons alors qu'on est dans une situation proche, je trouve que quand on dit ça aux gens, il faudrait quand même aussi leur parler avec respect, leur expliquer pourquoi on fait ça, et ne pas leur donner des ordres aussi brutaux. Et on vit beaucoup dans cette relation à l'ordre brutal. On se demande, ça y est, on est reconfiné, on va retourner à l'étable, on va manger du foin et on va dormir. Et puis peut-être, dans 15 jours ou 3 semaines, on sortira dans le pré pour manger un peu d'herbe. Ce n'est pas une vie, quoi. Je veux dire, il faut être gentil avec les gens. Il faut être gentil avec les gens qui vivent ça et qui acceptent ça. Il n'y a pas... Ce ne sont pas des procureurs, ce sont surtout des victimes.